Salut tout le monde! On se retrouve pour un nouveau vlog et j'ai enfin ce soir que je m'en vais voir le spectacle de la fois. J'ai tellement hâte là. Il y a des invités spéciaux qui vont être là. Il y a Corneille, Geneviève Leclerc, la demi-finaliste de Marc Dupré. Non. De Marc Dupré, je pense, de l'année passée, la voix 4. Et Patrick Bourgeois, le chanteur du groupe Les Bébés. Pour être honnête avec vous, là, quand j'ai vu de Patrick Bourgeois à l'aide là, j'ai failli tomber de ma chaise parce que je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré. Donc, ça va être une première. On est le 15 juillet, il est 10h34, puis le show est à 8h30. Ce soir, j'ai vraiment trop, je parle pas, je vous le dis, aujourd'hui dans la journée, je parle pas vraiment. Et chose qui est sûre, je vais commencer le montage du vlog. Je vous parle pas durant la journée, mais on va faire parler ce soir. Bye! On fait la guerre.
You might be my favorite song. You might be my favorite song.
Pour vrai, hier, c'était tellement bon, là. Puis je m'excuse d'avoir eu cette scène de prestation, on n'entendait rien parce qu'on était direct devant les speakers. Donc on n'entendait presque rien pour cette scène de vidéo. Donc je me prestation, je m'excuse. Hier, j'ai réalisé un rêve. Hier, j'ai rencontré Patrick Bourgeois et Ludovic Bourgeois, les deux que je voulais le plus rencontrer. Puis j'ai eu la signature. C'est la signature de Patrick Bourgeois et la signature à Ludovic. Puis j'ai aussi rencontré Louis-Paul, le gars qui chantait le métal à la voix. Il est vraiment grand en personne. J'ai aussi sa signature. C'était vraiment une des plus belles soirées que j'ai eues, que j'ai vécues de ma vie. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, un de mes rêves, c'était de rencontrer Patrick et Ludovic Bourgeois. Donc, je les ai rencontrés hier. Ils sont vraiment gentils. J'ai dit à Patrick que j'aimais beaucoup ses chansons. J'ai pas eu le temps de parler longtemps avec Ludovic parce qu'il devait retourner sur scène. C'est pendant les répétitions que j'ai rencontré. J'ai aussi rencontré Rebecca Noël aussi. Elle est vraiment fine. Michael aussi, j'ai pas, la photo a pas marché, mais je lui ai dit que ça a été le. Michael a été le premier qui m'a fait pleurer en fin de saison à la voix. Il y a autant de candidats qui m'ont fait pleurer à la voix en fin de saison. Mais Michael a été le premier qui m'a fait pleurer à la. Dès les auditions à l'aveugle. Et je me souviens, hier, quand il a fait la chanson qu'il a faite à son audition à l'aveugle, je me souviens que j'ai eu la même émotion quand il a fait à la télé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je m'excuse aussi si la vidéo est très longue. Alors, si vous avez aimé ça, faites un thumbs up. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau vlog. Bye!